Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca, et nous allons vous faire vivre toutes les émotions de ce match. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Chaque match à vos côtés, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle aventure, des nouvelles émotions, surtout devant votre talent de commentateur. Et voilà la composition officielle de cette formation. 4-5-1 offensif, ou aussi le 4-2-3-1 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Voici les 11 titulaires de cette équipe. On aime ou on n'aime pas, mais cette équipe, elle vit toujours au bord de la rupture. Oui, mêlée comme le roseau. Elle plie, elle penche, elle recule. Mais à la fin, elle rend rarement. Elle se sent plus à l'aise contre son bloc resserré, replie devant son but. Vous êtes un poète. En fait, elle vit davantage dans la rétention que dans l'extension. C'est certain. No se oye al ancorar. Este partido está a punto de comenzar. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Et il remporte son duel, bien défendu. Et finalement, l'arbitre revient à la faute et donne le coup franc. Voilà, tranquille, aucun danger, ballon facile. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Et jolie frappe, mais ce n'est pas cadré. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Ouais, c'est bien vu cette passe. Et non, finalement. Ça n'ira pas plus. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Mais voilà une bonne intervention. Ça sort en touche. Très bien défendu. Miriam Forbes. Repetimos. Miriam Forbes. Su primo la espera en recepción. Et le contre est possible maintenant.
frappe. Oh, la bonne parade. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Ah, le ballon est contré. C'est bien joué, il y a une bonne progression. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Ah, il est venu aider son coéquipier. Bien joué, danger écarté, ballon récupéré. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Ah, la frappe est bien contrée. Le tir depuis cet endroit de la surface, c'est sans doute pas la meilleure décision. Le ballon passe très largement loin du but. Il dit bye bye à la cage. C'est un match sage, beaucoup trop sage. Les équipes manquent d'audace, de folie. Il faudrait mettre beaucoup plus de rythme dans les prises des balles et les frappes. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Attention la frappe. Intervention du gardien. Et oui, c'est joué en deux temps. Ouais, c'est contré, bonne défense. C'est un nouveau corner à jouer. Le ballon est joué court. Attention la frappe. Et c'est dedans, le premier but du match. Une domination, une récompense au bout. Avec cette ouverture du score, méritée. Et voilà encore une fois, tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Le ballon change de camp. Cyprien. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps.
L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Excellente intervention. Ça, c'est un arrêt important. Il permet à son équipe de conserver leur avance. Et peut-être que cette parade, ça leur a fait l'effet d'un coup de fouet. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Mais quel tir surpuissant à mi-distance! Ça passe vraiment pas loin. Ah, la perte de balle. Ah, qu'est-ce qu'il est bien donné ce ballon. Bon crochet pour revenir dans l'axe. Et la frappe part bien. Et un arrêt qui fait du bien. C'est joué court. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Ah, la différence est faite. Ah, il peut prendre sa chance. On est bien joué, la bonne intervention. Ah, et le jeu sur les ailes pour progresser, c'est intéressant. Il est dangereux, ce ballon vers la surface. Le danger s'éloigne, excellente intervention. Attention à cette passe. Et bonne anticipation de la part du gardien sur ce ballon en profondeur. Et peut-être un bon contre à négocier là. Oui, bien fait ça. Oh, il s'est bien servi. Et ça passe. Voilà l'égalisation. Et les deux équipes qui ne se lâchent plus. Mais quel match! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et pour conclure, une bonne frappe du petit côté. Le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. Et avec ce but, score de parité, un partout. Cyprien. Cyprien. Nous assistons à un moment décisif.
dans ce match. Un but serait synonyme de victoire. Vraiment pas de danger sur ce ballon, c'est pour le gardien. Et ici l'occasion pour mener. Oh, c'est dedans ! Le but décisif, peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable! Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts! On la revoit, cette frappe au premier poteau, c'est très bien joué dans le trou de souris, même si on se demande si la défense ne pouvait pas faire un peu mieux. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. De fraîcheur avec ce remplacement. Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Cyprien. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Attention, voilà un bon duel. Oh, c'est dedans, but! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Et regardez cette conclusion, la reprise des volets en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. Hein. C'était un missile ce ballon. Alors que le match reprend, nous rappelons le score 3-1. Le temps additionnel, 3 minutes minimum selon l'arbitre. Cyprien. Et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. On vient d'assister à un match quasiment parfait de leur part. À aucun moment on les a sentis véritablement en danger.